Okay. I think we can begin again. We return now for the second part of this first session. And the main topic remains the same. How to actualize more effectively the church's mandate <clears throat> to do exegesis and to redefine the task of exegesis. After the first lecture which gave us a more general response to that question we now turn to to have we now turn to listen to three interventions three lectures that will narrow the focus a bit um, offer a response to that question um, from the perspective of different methods of exegesis um, and for our first um, our first conference. We are happy to have with us Professor Elena Dipede, who is on the faculty at the Université de Lorraine, and she will speak to us about narrative criticism. And the title of her address is "Narrative Criticism: How Does It Contribute to Meeting the Goal of Biblical Exegesis?" Which is a A question that interests just about all of us uh, and so we are very eager to to hear your response to that question yeah. welcome and thank you thank you very much uh, merci beaucoup dovrei parlare in italiano in realtà visto che siamo in italia quindi ringrazio gli organizzatori di avere di avermi invitata e parlerò in francese <laughs> in realtà <laughs> Vous devriez avoir le texte en anglais sous les yeux pour ceux qui ne comprennent pas le français, mais comme je disais avant, je milite pour les langues non anglophones dans les congrès. L'intérêt scientifique de l'analyse narrative appliquée à la Bible est désormais avéré, élaboré et développé par des linguistes et des spécialistes de la littérature. La narratologie moderne appliquée aux parties narratives de la Bible hébraïque Trouve son point de départ dans les travaux de Shimon Bar-Efrat et Meir Sternberg, publiés dans les années 1970, d'abord en hébreu, puis de Robert Alter et de Jan Fockelman. Depuis et en un peu plus de 50 ans, la narratologie a fait son chemin et a trouvé pleinement sa place au sein de diverses méthodes d'étude des textes bibliques surtout dans le monde anglo-saxon et francophone, mais je sais qu'il y a des velléités en Italie aussi. Et dans le monde francophone, s'est créé, il y a maintenant presque 25 ans, un réseau institutionnel, le RENAB, regroupant des universités belges, canadiennes, françaises et suisses. On attend les Italiens. L'ouvrage manifeste de l'analyse narrative des textes bibliques est, à n'en pas douter, The Art of Biblical Narrative de Robert Alter, publié en 1981. Il expose les principaux éléments de la méthode et développe l'idée que l'invention du récit en prose est proprement biblique. La réécriture fictionnelle de l'histoire du peuple et de ses ancêtres procède de la nécessité de montrer comment le Dieu d'Israël se mêle à l'histoire des hommes, pour entrer dans une interaction complexe mais féconde avec les libertés humaines. Ainsi, la prise au sérieux du récit et l'observation attentive de la manière dont celui-ci met en scène et raconte Dieu, l'homme et les relations entre eux fournit un matériau de premier choix à une herméneutique qui fasse dialoguer les textes bibliques avec la réalité où le lecteur se trouve engagé et où il a à faire des choix porteurs de vie. L'analyse narrative s'intéresse essentiellement au comment d'un récit, autrement dit, à la manière concrète dont un événement est raconté. Un épisode sensiblement identique au niveau de ce qui est raconté, le quoi, le contenu informatif, autrement dit, peut prendre des formes différentes au niveau de la manière particulière de la narration, en fonction par exemple du macro-récit dans lequel il est inséré des valeurs ou contre-valeurs véhiculées par celui-ci. À côté des principaux éléments de méthode, Alter rappelle un élément essentiel sur lequel je voudrais insister dans cette contribution. Toute œuvre d'art, la littérature en particulier, est soumise à des conventions, codifiées ou tacites, celles-ci permettent au lecteur d'accéder au monde particulier qui s'ouvre à lui lorsqu'il entre dans un texte. Ces conventions dépendent tout autant du genre de l'œuvre (comédie, tragédie, roman, etc.) que de la culture qui l'a vue naître. Il est dès lors indispensable d'en avoir une connaissance suffisante afin de goûter au mieux de l'œuvre et d'en mesurer la portée. Un lecteur culturellement et historiquement proche d'une littérature donnée, en percevra plus naturellement les ressorts que ne le fera un lecteur lointain, surtout lorsque les conventions ne sont pas codifiées, ce qui est le cas pour la littérature biblique, où elles doivent être déduites du texte lui-même. Parmi ces conventions, la scène récurrente, en termes techniques la scène type, est un excellent terrain d'observation pour le narratologue alter en identifie plusieurs mais il appelle aussi de ses voeux à l'identification d'autres scènes types qui sont fondamentales pour la caractérisation du héros. pour montrer la différence d'approche entre l'exégèse classique et l'exégèse synchronique sur ces scènes alter donne un exemple tiré du monde du cinéma imaginons que dans quelques siècles il ne reste que douze films westerns. Dans onze d'entre eux, le shérif, héros de l'histoire, témoigne d'une même particularité neurologique, un réflexe foudroyant de la main droite. Lorsqu'il est en danger, il dégaine très rapidement son colt du ceinturon pour se défendre. Dans le douzième film, le héros ne dispose pas d'un colt, mais d'une carabine en bandoulière. Retrouvant ces douze pellicules dans quelques siècles, on les étudiera pour comprendre le XXe siècle et sa culture. Et bien sûr, on observera l'élément récurrent du Colt et la variation de la carabine. L'exégèse historique classique formulera trois hypothèses. Il y avait à l'époque une fonction occupée par les membres d'une caste héréditaire. Deuxième hypothèse il y a un western source dont tous les autres dépendent par copie ou imitation. Troisième hypothèse. Il existait un mythe ancien dans lequel une divinité combat ses ennemis par l'éclair, les versions cinématographiques palliant l'éclair par les armes l'ont démythifié et adapté. Quelle que soit la vraisemblance historique de ces hypothèses, on remarque facilement qu'aucune d'entre elles ne tient compte des conventions qui se déploient dans ces films et que leur destinataire premier, le spectateur du XXe siècle à qui ils sont destinés, comprenne immédiatement. Ils comprennent immédiatement l'exploit du shérif à la carabine, confronté à la difficulté objective de dégainer une carabine en bandoulière plutôt qu'un colt au ceinturon. Il comprend par contraste, à partir autres, des autres scènes qu'il est bien plus habile que ses collègues. Habitué à une convention, le destinataire premier de l'œuvre peut immédiatement et naturellement mesurer les ressemblances et les différences dans les reprises d'une scène ce qui lui donne de surcro un surcroît de plaisir dans la jouissance de l'œuvre. Canevas, le canevas récurrent qui est à la base de chaque reprise de la scène est donc un modèle préétabli d'organisation du donné narratif. Un modèle préétabli du quoi auquel on donne une forme, un comment particulier, avec des constantes et des divergences à la manière de variantes délibérées. Chaque déclinaison de la scène est unique, elle concerne le héros et sa carrière, et contribue donc, comme je le disais tout à l'heure, à sa caractérisation. Fondée sur des mots, des phrases, des moments récurrents, le canevas est utilisé de manière souple, parfois profondément remaniée. La spécificité de cela dans la littérature biblique et que ça implique une conséquence théologique. Ce procédé suggère en effet que c'est de manière à la fois récurrente, c'est-à-dire à chaque fois habituelle par le canevas suivi et en même temps complètement neuve par les variations propres à chaque mise en récit que la Bible raconte grâce à ces scènes types la manière dont Adonai intervient dans l'histoire de son peuple par une action qui est à la fois constante et pourtant à chaque fois renouvelée, inédite. Les textes communément appelés récits de vocation ont abondamment été étudiés dans le cadre de l'exégèse classique. Curieusement, ils le sont moins en synchronie. Cela est curieux parce que ces textes présente l'intéressante constante de mettre en scène un moment clé dans l'expérience prophétique en lien direct avec la mission particulière et la caractérisation du personnage divin qui appelle le prophète à cette mission. Je voudrais donc montrer comment euh, l'approche synchronique peut, ce que l'approche synchronique peut montrer à l'étude de ces textes. Je vais rappeler quelques points saillants très rapidement des, des études classiques et puis je me tournerai vers la synchronie. Globalement, les études des exégètes et théologiens qui se sont penchés sur ces passages prennent deux directions celles qui les considèrent comme des comptes rendus historiques éventuellement écrits par le prophète lui-même, qui rend ainsi compte de manière directe, voire immédiate, de son état d'esprit au moment de l'appel, et les études qui considèrent ces textes comme l'expression d'une forme particulière, dont il faut rechercher l'enracinement historico-culturel. Dans le premier groupe, on trouve de nombreux travaux à visée pastorale, ou ceux dont le but premier est d'en affirmer le caractère historique. Ces études ne tiennent pas compte de la distance que l'élaboration écrite inscrit nécessairement entre une expérience particulière et la manière précise de la raconter. Comme le soulignent déjà les exégètes qui inscrivent leurs travaux dans le deuxième groupe, cette occultation est très problématique. Dans le deuxième groupe, on trouve des travaux bien plus intéressants, dont certaines observations restent bien évidemment pertinentes en synchronie. Ainsi, l'article de Norman Hubble, qui a durablement marqué l'étude de ces récits. Je ne reprends que ces observations qui restent pertinentes en synchronie et je pointerai aussi quelques éléments problématiques du point de vue méthodologique, mais de la méthodologie de la synchronie évidemment. Partant de la littérature critique et suivant l'ordre qu'il suppose être celui de la composition des textes, Hubble compare deux récits, celui de Gédéon et de Moïse, et il y décèle un schéma en citant la confrontation divine, la parole introductive, la mission, l'objection, le moment où Adonai rassure son envoyé, le signe dont le but est évidemment de rassurer davantage l'envoyé, mais surtout de souligner le caractère public de l'appel, et cela vaut selon lui particulièrement pour Moïse. Il se tourne ensuite vers les autres les récits en utilisant le découpage qui est devenu classique et qui s'inscrit aussi dans les traductions des Bibles, malheureusement, oserais-je dire. Sa démarche est essentiellement génétique et aboutit à l'hypothèse de la dépendance de ces textes avec Genèse 24, en particulier les versets 35 à 48. C'est, vous le savez très bien, le moment où Abraham envoie son serviteur de confiance pour chercher une femme pour son fils. Ce passage est considéré comme matrice et origine des récits de vocation prophétique. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse génétique, le schéma en citant qu'il met en évidence est et reste pertinent en synchronie, mais il faudra l'affiner. En revanche, l'essai d'identifier d'autres textes, comme par exemple Isaïe 40, 1, 11, considéré classiquement comme le récit de vocation du second Isaïe, est problématique parce qu'il est motivé par un a priori historique que l'ensemble littéraire du corpus prophétique ne justifie pas. À côté des travaux de Abel, on peut évoquer ceux de Walter Vogels et de Gregorio dell'Olmolete. Ce dernier pousse au paroxysme le réflexe déjà présent chez Abel de vouloir trouver un récit de vocation fondant la mission de chaque figure prophétique historique décelée derrière l'œuvre écrite. En revanche, Vogels a l'avantage de rattacher ses récits à des modèles socioculturels, mais du point de vue narratif, il ne fait pas la différence entre un récit dont le but est de mettre en scène ce moment particulier de l'appel qui fonde la mission du prophète et un ordre de mission intégré dans une narration dont le but est différent. Très rapidement, et au risque de caricaturer, on peut résumer les choses ainsi. Face à une scène récurrente, l'exégèse historique s'attache ou s'attachait essentiellement à identifier leur genre littéraire afin d'enraciner leur forme dans une situation historique ou sociale déterminée, ce qu'on appelle le Zitzimleben, à déceler un archétype historique pour ces textes, que ce soit un modèle commun ou celui qui d'entre eux a servi de modèle aux autres. En synchronie, le but est de comprendre le fonctionnement particulier de chaque reprise d'une scène commune afin de l'étudier dans sa spécificité propre grâce à la présence ou non d'éléments conventionnels. Dès lors, on examine chaque texte relevant d'une convention particulière pour comprendre comment cette convention y est mise en œuvre de manière originale. Ce qui est signifiant, c'est la singularité... Euh, Excusez-moi. Ce qui, ce qui est signifiant, c'est la singularité de chaque reprise qui n'est mesurable qu'en comparaison avec les autres. Ici, l'art narratif consiste à honorer le schéma conventionnel tout en le réinventant à chaque fois en fonction du contexte particulier dans, la, dans lequel la scène se déploie, même de manière profondément remaniée et parfois par simples allusions. L'art narratif, prend ici appui et joue sur la familiarité du destinataire avec la convention. Sur cette base un peu rapide, reprenons les récits d'appel et d'envoi en mission des prophètes. Il est évident, comme je le disais tout à l'heure, que le schéma en six points de Abel peut servir de point de départ à l'observation des textes, mais doit être affiné. Vous avez sous les yeux la liste des passages que l'exégèse classique considère comme les récits de vocation. Si on peut leur appliquer l'ensemble des éléments listés par Abel, euh, on s'aperçoit bien vite qu'on ne retrouve aucun de, des éléments euh, qu'il a qu'il a mis en évidence dans certains des textes. Et et tout ça est repris dans le, le tableau que vous avez sous les yeux. En revanche, on remarque aussi que chez Amos, au chapitre 7, un découpage, donc le découpage classique ne tient pas compte des éléments fournis par le contexte, évoque la mission, mais l'objection n'est pas adressée à Adonai, mais au prêtre qui veut chasser le prophète du temple. Si l'on dépasse le découpage classique de ces textes, ce que pousse à faire le contexte littéraire et narratif global dans lequel ils s'insèrent, on s'aperçoit que d'autres éléments communs émergent et on constate également une très grande proximité de chacun d'entre eux avec le récit d'appel et d'envoi en mission de Moïse, le premier et le plus grand des prophètes. Ainsi, d'un point de vue canonique, et j'insiste sur canonique, et littéraire, le récit qui met en scène l'envoi en mission de Moïse est la matrice littéraire et théologique des autres. Canoniquement, le lecteur comparera chaque figure prophétique à Moïse, aussi et surtout parce qu'il repérera dans chacune des mises en scène les mêmes éléments conventionnels qu'il a rencontrés au début de l'Exode. Voici les éléments récurrents supplémentaires. Euh, qui sont dans le tableau 2. Merci. Voilà. Euh, identifié par Abel, mais pas uniquement. Donc ce tableau est amplifié. Donc la, situ la situation temporelle mentionne toujours monarchie et sacerdoce. Elle place le récit à un moment précis de crise et peut aussi introduire l'ensemble du livre. Ainsi, la mission du prophète est toujours à l'initiative divine et c'est une manière positive d'essayer de résoudre la crise. Il y a une prise de parole en jeu du prophète qui est parfois euh, acteur de sa propre histoire et parfois c'est un récit à la troisième personne. La mise en présence d'Adonai au personnage va être, qui va être envoyé en mission, qui peut faire partie du dialogue ou des visions, et les visions qui sont le plus souvent en lien avec le message que le prophète aura à transmettre. Il y a un dialogue qui est plus ou moins développé entre Adonai et le prophète et toujours à l'initiative du personnage divin. Et dans ce dialogue, on rencontre aussi des motifs récurrents. Il y a toujours une action divine liée à la bouche du prophète, essentielle lorsqu'il s'agit de manifester que celle-ci est essentiellement une mission de parole. Cette action sur la bouche est absente chez Amos. Euh, il y a une raison narrative très claire à ça si j'ai le temps euh, je l'aborderai et puis il y a une présence du vocabulaire qui selon le contexte peut avoir une connotation juridique très forte ce qui donne une tournure particulière au sens de la mission prophétique et à la fonction spécifique du prophète au sein du peuple à savoir tenter de ramener la justice et la justesse au sein du peuple de l'alliance un aspect qui, à euh, n'en pas douter, doit être creusé. Ces sept points peuvent être considérés comme le canevas de base de la scène type qui caractérise, avec des variations plus ou moins grandes, le récit d'envoi en mission des quatre prophètes seconds, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Amos, à la suite de Moïse, également caractérisé par le même canevas. Ce constat ne nie évidemment pas la possibilité d'autres canevas de scène type. Euh, il y en a un autre qui est différent de celui ci et qu'on retrouve, par exemple, chez Samuel, dans le récit qui concerne Samuel. Ce sont des remarques ici qui ouvrent des pistes possibles d'exploration dans le domaine de la scène type et des conventions littéraires à l'œuvre dans la littérature prophétique en particulier. Je voudrais très rapidement, euh, si vous me permettez encore une minute, <laughs> merci, très très rapidement, conclure sur le cas d'Amos, qui est le, le plus distant, si vous voulez, de la scène type. C'est celui qui pose le plus de problèmes à l'exégèse classique, mais il relève en tout point du canevas mis en lumière, mais c'est le plus original de la série. <coughs> Pardon cette originalité se trouve tout d'abord dans le fait que les visions sont vraiment fort présentes et que les visions ne concernent pas la mission du prophète, mais elles concernent euh, ce que Adonai projette de faire au peuple. Pendant ces visions, le prophète intercède en faveur du peuple et réussit à éloigner la menace. La menace ne peut plus être éloignée quand Amasia vient chasser le prophète euh, du temple. Donc, le discours, le dialogue entre, euh, dans le caractère public, se passe euh, en contexte tout à fait polémique, euh, avec une dispute où le, prophète veut, le prêtre, pardon, veut faire taire le prophète. Et ici, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'action sur la bouche, mais le lecteur qui est habitué au canevas ne peut absolument pas douter que celle-ci ait eu lieu dans le monde du récit, euh, évidemment. J'espère par ce parcours très rapide vous avoir montré que euh, l'apport de l'exégèse synchronique, et surtout dans l'étude des scènes récurrentes, est important et éclaire la lecture des textes. Le but est de chercher à comprendre comment les éléments conventionnels sont mis au service d'une dynamique narrative particulière et comment elle construit et elle nourrit les attentes du lecteur. Cela permet aussi de mesurer de quelle manière, en comparant les récits les uns avec les autres, une stratégie poétique est à l'œuvre et aussi dans les livres prophétiques qui ne sont pas, a priori, euh, des narrations comme on les entend euh, habituellement. En m'excusant pour avoir dépassé le temps imparti, je vous remercie pour votre attention.